porte Ressler. Ça, c'est le soleil, ça. Ouais, j'ai acheté une armoire. Quelle chance. Une armoire, bon... Eh, je sens que vous êtes affreusement jaloux. Terriblement. Purée, j'ai un peu cette putain d'armoire. Bah, chier. J'ai à peu près les flux, c'est très bien. T'as chopé le flux, c'est ça? Ouais, alors je sais pas comment expliquer sans faire trash. La Queen, elle m'a donné ses flux. J'espère juste qu'elle n'est pas dans son cycle menstruel. Je te le souhaite. Ouais. Sinon, ça prend une autre dimension. Je vois absolument complètement rien. Comment ça? Je vois presque pas la station. Je suis aveuglé. Toi, t'as vraiment des problèmes, je pense. Tu veux que je pilote là ou quoi? Please proceed to assigned landing bay. Non, non, mais je veux être capable, mais. Ah, j'avais une grosse crotte de poignée dans le nez, là. Je m'en suis débarrassé. Ah, félicitations, bravo, heureusement. Tu smoothies avec ça? Ah, yeah, I love it. Hein? Mmh. Un peu plus de mousse sur ta bière. Oh, c'est vrai que ça tombe bien. Faut que je m'en fasse une petite bière là. Tu peux pas, il faut que tu maigrisses. Ah, merde. Eh hey, merde. Aïe, tu vas nous... Suspense. On ne saura pas. Putain, je vois absolument rien. Ben, si t'es pas c'était capable, noir. Si tu vois rien, je vois piloter là, parce que j'ai pas envie que... Déjà, tu vas peut-être me guider, j'arrête sur le bon bord. Ouais, t'es sur le bon bord, faut juste que tu montes encore un peu, là. Pas trop. Mais là, tu vois, t'as quasiment que tu t'arrêtes, là. Si tu vois rien, là, je peux y aller, là, au plein place qu'on s'écrase, là. Allô? Écoutez, monsieur Québécois, je suis un pilote expérimenté, je vais y arriver. Et bam! Il dit ça, mais j'ai les deux mains crispées sur le tableau de bord, tu vois. En plus, t'as même pas sorti son train d'atterrissage. Ah, mais c'est pas vrai. Tu te niaises, il est sorti, il est sorti. Hey, on a-tu demandé à se poser? Hein? Ah oui, c'est vrai. Oui. Tu sais que quand t'es rendu comme ici, t'appuies sur N, puis tu gardes ton doigt sur N. Puis il va se poser automatiquement. Fait que ça va te prendre comme 5 secondes au lieu de te prendre 2 minutes. C'est quoi la touche? N. La même touche que le train d'atterrissage, mais tu gardes ton doigt appuyé dessus. Ça marche absolument pas. Moi, ça marche tout le temps. Moi, là... Moi, je fais pas confiance à cette technologie-là, ok? Landing successful. Donc, il n'y a jamais de lit double dans leur vaisseau. Ils font quoi, les couples?
Là, bah, ils font le 60, là. Mais, ils font une touche pipi dans la douche. Ouais, mais attends, si tu voyais la taille des douches, la douche est grande comme la toilette. C'est la toilette qui rentre dans le trou et puis ça devient la douche. Ouais, ben regarde, Québécois, tu sais pas qu'est-ce qu'ils font les coupes dans ce jeu-là. Mais qu'est-ce que j'allais dire, c'est que... tu pourrais-tu sortir un autre vaisseau? Ouais, après. Parce que... celui-là, là... Je t'apprends rien, mais je l'aime vraiment pas, là. T'es juste un chignon, un fiole. Il est juste 8 heures. Qu'est-ce que tu fais? What are you doing, hein? Hein? What's up? Il y a mon chat qui m'a dit bonjour. L'ascenseur est ouvert, l'ascenseur est là. Yo! Mais mon jeu était en train de friser, Québécois. Toi, tu devrais demander ça à tes parents qui a donné un nouvel ordinateur. Ouais, bah oui, je viens juste d'upgrader une nouvelle carte graphique, une nouvelle carte map, un nouveau processeur, puis un nouveau water cooling. Je vais demander un ordi au complet. On voit ça. Toute la puissance, non, la toute puissance! Non, c'est ce que je vais demander à Noël, c'est un câble qui passe dans le mur pour l'internet. Aussi. Ou une drill pour faire le trou. Ah, la drill, je m'en servais pour d'autres choses, mais je vous passe les détails. Ah, des affaires cochons, on veut rien savoir. Non. J'ai pas de mèche pour faire des trous avec ma drill. C'est pour ça. Pour ça, je t'ai dit, j'avais pas mon cerveau. Hey, comment ça fait qu'on est ici? C'est quoi cette affaire-là? Ah, regarde, après ça, il me chiale après parce qu'il pense que moi, je suis pas bon pour conduire les vaisseaux. Lobby, pourtant. Moi, je suis pas bon pour conduire les vaisseaux, mais Québécois, il y a de la misère avec les ascenseurs. Tu regarderas la vidéo, j'ai bien fait lobby, pourtant. Oh, je vais regarder ça. À la lettre. De A à Z. Même de A à Z, 5. Parce qu'il y a plusieurs Z. Plusieurs X, mais bon, chacun son trip. Hein. Bah, l'alphabet termine par X, ou non? Non, je parle de certains sites fort intéressants. Avec Ok, on va ranger ça. Qu'est-ce que sur les... de l'asiatique, de l'africaine. Mais je fais une vidéo, Willow. Hein. Oups. Puis Antoine aussi, peut-être. Fait qu'ici, on est où encore? Hein? Ah, tu sais quoi, j'ai plus le droit de rire. Port Tressler. On est où, là? Non, on est sur Port Tressler, en orbite, juste au-dessus de New Babbage. Comment ça, les machines qui vendent les boissons ne font-ils même pas? Puis ici, il y a des magasins qui vendent des trucs particuliers qui vendent seulement ici. Ouais, comme l'armure. Ouais, c'est ça, t'as raison. Parfait. L'armure, ouais, ici, l'armure c'est les, Novica. Non, ouais, c'est ça, là-bas, c'est des chambres quand on meurt. Sinon, faut prendre l'ascenseur pour aller à l'étage des... Ouais. Ah, Willow, tu nous manques, Willow, là. Ouais. C'est sympa. J'espère que tu vas recevoir mon SSD bientôt, là. C'est possible. C'est parmi les aléas qu'on ne maîtrise pas. Ah, mais j'ai pas encore envoyé, là. Ah, du coup, là, y a aucune chance que je reçoive de... Non, y a aucune chance, non. Voyons... Ah, je savais même pas qu'on pouvait aller sur cet étage-là. Ouais, mais on dirait. Centre que... de cargo, je savais même pas qu'on pouvait y aller. Mais je pense qu'il ne doit pas y avoir encore grand-chose. Hein. Il y a juste 4 bouts d'ascenseur à Québec. Hein. Je sais pas qu'est-ce que t'as fait, là. Ouais, mais là, on est en bonne place, là. Normalement, ici, il y a les. Oh, ouais, normalement, ici, il y a les. Voyons. Voyons, si t'es retourné. Voyons. Là, t'es retourné. Ah, je vais conduire l'ascenseur parce que ça a l'air que. Allez, j'ai cliqué à la crise de bonne place. Attends, on va voir ça. Non. Là, c'est pas toi, là. Tiens, Galeria. Regarde l'autre qui a cliqué sur Cargo Hall. Ah, ça, c'est bon. Galeria. Non, c'est moi qui le fais, là, ça marche. Ouais, je l'ai fait là, aussi. Ici. Et là, par ici, on a les armures, je crois. Ouais, c'est par ici. Ouais, il y a les machines à armure. Ouais, machines à moi. J'espère qu'ils vont les faire marcher à un moment donné. C'est vrai, ça serait pas. Tu sais, mettre des vieux jeux des années 70. Ouais. Là, comme les tables d'échecs fonctionnent. Hein. T'as des vaisseaux de luxe, t'as des tables d'échecs dessus. Ouais, comme le gros vaisseau que j'avais loué, là, tu te souviens? Il y avait la table d'échecs à l'intérieur qui fonctionnait.
Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, 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 ouais. Puis il y avait une touche d'échec que si tu bougeais puis tu la mettais à une place particulière, la table bougeait puis il y avait une trappe qui s'ouvrait en dessous. Hein. Mais ça, je l'ai vu dans une vidéo après. Ouais, ça, c'est l'armure qui protège contre le froid, ouais. Ben, t'as deux types, hein. Hey, c'est mon armure, ça, et tout ça. Ouais, là, elle coûte combien, ton armure? Je sais pas. Moi, la mienne, je l'ai eu en cadeau. Vraiment pas cher, 900 US. Alicier va voir. Mais achète-en pas, éventuellement, quand Willow recevra son disque dur, je te donnerai une armure permanente que tu perdras jamais. Je t'enverrai une armure en cadeau. Ouais. J'en ai plusieurs. Je vais les regarder, voir, parce qu'ils sont très, très intéressants. Ouais, de l'autre côté, ici, c'est les pièces de vaisseau. Puis c'est ça, comme je disais, là. Chaque endroit où ils vendent des pièces d'armes ou des pièces de vaisseau, ils vendent des armes et des pièces de vaisseau différentes. C'est-à-dire que sur chaque planète, c'est des pièces d'armes et des pièces de vaisseau différentes, tu comprends? Et chaque planète a un peu son style? Ouais, chaque planète a un peu son style, ouais. Ah, t'as pas vu, Willow, ils viennent de confier, là. Normalement, ils ont commencé cet été ou cet automne, je sais plus, là. Un bureau à Montréal pour créer 100 mondes d'ici, je sais plus, les deux ou les trois prochaines années. 100 mondes comme celui qui existe présentement. Ouais. 100 mondes complets, sans univers. C'est ça, comme le monde dans lequel t'as entrevu. Il va y avoir la Terre, il va y avoir trois villes au départ. Il va y avoir New York, Londres et Shanghai. D'accord. Ah, mais j'ai vu qu'il allait faire aussi toutes les villes auxquelles il y avait des studios de développement aussi. Ah, c'est possible. Ouais, parce que je pense qu'il doit y avoir beaucoup de Québécois qui ont acheté le jeu, puis c'est pour ça qu'il a fait un bureau à Montréal. Hein. Ouais. Il va l'être traduit ici aussi, en passant. Hein? Il va l'être traduit en français ici. Il va être traduit en français québécois, non? Ouais. Ok, lui c'est ici qu'il échange, ici on échange là. Ouais, le gars est allé miner, il échange le minerai. Ouais, si j'ai encore un abonné là, qui met son numéro, je vais avoir le petit Jeep qui est ici. Hein. Voyons. Toi, je te dis, si on arriverait à faire là, plus de vues là, puis des gens qui mettraient le numéro quand ils achètent le jeu, là, on pourra avoir des Christie de beaux cadeaux. Hein. Ta femme est pas bilingue, Willow, par hasard. Hein. Non, hey, elle est... Ah, c'est pas haïtien, mais je pense pas que ce soit ça que tu demandes. Non. Bon, fait que finalement, c'est ça. Il n'y a pas grand-chose à voir ici. Hein. C'était juste une base. Hein. Magasin de linge. Des souliers. Ils vendent des bouteilles d'eau dans le magasin de linge. Moi, je trouve ça bizarre. Il y a des casquettes. Il y a plein de casquettes. Ah, pour vrai? Ah, ouais. Et où exactement? Ben, je suis là. Où je suis, là? Oh, ici, t'as un truc pour échanger les minéraux. Ben, je suis pas loin de toi. D'abord, je suis là. C'est moi que tu vois. C'est toi, ça? C'est toi la mouche jaune, là? Ouais, de ça, j'ai changé ma tenue. Ouais, t'as l'air d'une mouche jaune, un bumblebee. Ah, bumblebee. Regarde son petit les casquettes. Regarde, c'est débile. Un bumblebee, d'ailleurs, c'est un petit... Ah, t'as même une casquette confédérée, quasiment, en tout cas, elle ressemble. Ah, t'en as une avec une tête de mort, ici. Hein? Ça, c'est juste un début. Là. Puis là, tu vas avoir ces modèles-là ici, mais sur une autre planète, tu vas avoir d'autres modèles, puis un autre, d'autres modèles, puis un autre, d'autres modèles, puis un autre, d'autres modèles. Ça, c'est avec toutes les planètes, mais imagine quand il va y avoir 300 planètes. Là, tu vas être en business. Ouais, faudrait mettre le lien à Willow du monde. Tu sais, le monde où on peut visiter. Quel monde tu veux parler? Ce à quoi Star Citizen va ressembler dans deux ans. Ah oui, mais je pense qu'on l'avait mis aussi. Attends, je vais juste aller voir mon... C'est impressionnant, Willow. Hein? C'est,
tu vas pouvoir jouer 5 ans en jeu là, puis je pense que tu n'auras même pas visité la moitié des planètes qu'il va y avoir dans le jeu. C'est de quoi faire sur chacune des planètes, ouais. De toute façon, il y a des coins que tu pourras pas aller, parce que je pense qu'il va y avoir des factions, de toute façon. Donc si tu veux y aller, il faut que tu y ailles en armée, ou alors tu y vas pas. Comme autre vaisseau, j'en ai pas. J'ai juste l'avant-garde, puis j'ai les autres que tu connais, là, mais ils sont pas super rapides. Ben, c'est pas ce que tu voulais. Tu voulais des trucs de stockage, toi. Ouais, ben là, j'en ai un de stockage. J'en ai un petit de minage, un gros de minage, pour quand tu joueras avec nous. On peut miner à 3 dans le vaisseau, hein, et rapporter des grosses cargaisons. Hein. Ah, fait... 3 postes. Ouais, 3 postes. Hein. On trouve un caillou, on le mine à 3. C'est cool. Toi, tu t'habilles-tu ou on change de planète, Big? Hein? Ah, là, je regardais ce que j'avais acheté dans les dernières... comment dire? Tu veux pas garder ton argent pour t'acheter le vaisseau à 2 millions? Ouais, mais je vais pas dépenser tout mon argent non plus. J'ai... Oh! Wow! T'es pas plus beau, hein, en tout cas. Bon, ben, je t'attends au vaisseau. Hein. Ouais, j'arrive. Ah, mais regarde, ça, c'est pas super. Ouais, c'est pas... Non, il y a des belles affaires. Hein. Mais c'est juste que moi, j'attends qu'ils mettent le bouton. Tu sais que t'appuies sur un bouton, OK, t'as ton armure, t'appuies sur l'autre bouton, OK, c'est beau, tu... Ah, ouais, les fast touch, là. Ouais, c'est ça, ouais. Mais regarde-moi donc. Je suis pas lettre, hein? Ça fait dur avec la casquette, ça va pas avec le style. Là. Ouais, c'est ça, j'avais vu tantôt. Noir peut-être, mais pas avec du jaune. Là. Jaune serein. Ben, jaune serein, ça fait pas avec. Je vais juste remettre mon armure, par exemple. Ouais, parce que sinon tu vas mourir dans pas long. Tu vas mourir. Pourquoi mes vaisseaux apparaissent jamais tous? C'est tout le temps qui bug. Comme ça, c'est-tu moins épais? Attends un peu. Hangar 3. Ouais, comme ça, c'est déjà moins payé, mais les pantalons bruns caca, là, t'as pas 70 ans non... t'as pas 70 ans non plus, non? Ah, putain. Ah non, c'était pas toi, la mouche que je voyais tantôt, c'est l'autre gars qui est en arrière de toi. Non, j'avais vraiment une armure jaune, là. J'ai sorti le vaisseau, là. Fait qu'on a un temps donné, là. Un joli vaisseau. Et voilà. C'est mieux comme ça, hein? Ouais. Sauf que ça n'a pas de l'air bien protégé, mais t'as... au moins tu peux sortir dehors avec ça. Ok, encore 3. Ouais, non, c'est pas protégé parce que j'ai zéro armure sur moi. Hein. C'est ça que je te dis, c'est pas protégé, mais si au moins tu peux sortir dehors avec, c'est correct. Alors, mais je peux m'en mettre de l'armure, j'en ai. Encore 3. Je pense que j'ai cliqué sur un autre bouton avant. Je pense que c'est ça la gaffe que j'ai faite tantôt. T'as fait deux fois la gaffe. Hey. Là, tu vois, je vois le vaisseau. Je vois, c'est marqué en dessous, hangar 3. Mais des fois, tu le vois pas, ça. Bon. Non, c'est ça. Ça nous a pas mis à la bonne classe. Hangar 3. Non. Pourquoi il y a une boule rose ici? Tu vois pas la boule rose? Non, je vois pas la boule rose. Ah, ok, faut que moi je prenne un screenshot là. Il y a un extraterrestre et c'est juste toi qui le vois. Oh! Mamma mia!
Viens-tu? La porte ne voulait pas s'ouvrir. Qu'est-ce que c'est? Comment ouvres-tu la porte de cette machine? En dessous, ici. Là. Peux-tu le faire? Ben, elle est ouverte, là, je t'attends. Ah, je sais c'est quoi ce vaisseau-là. Ouais, je sais c'est quoi. C'est ton gros vaisseau de transporteur. Ouais. C'est ça? Non, c'est le vaisseau pour faire du cash. Vaisseau, ah oui, mais c'est le vaisseau un peu industriel. Lui, je trouve vraiment qu'il y a un côté industriel, par exemple. Non, mais ça, c'est plus pour le réparer. L'ingénieur, et l'ingénieur va vivre ici si on se fait attaquer, là, puis c'est ici qu'il va devoir réparer, éteindre des incendies. Ouais, mais même à ça, check ici, là. Là, bientôt, ils vont implanter des feux dans les vaisseaux, puis des extincteurs dans les vaisseaux. Là, mais regarde ici, là, tu vois tous les câblages qui passent, puis tout ça, ça fait industriel. Là. C'est ça mon côté un petit peu industriel, je te parlais. T'sais, ici aussi, là, tu vois tous les câbles qui passent en arrière. C'est pas du tout négatif, c'est un beau style qu'ils ont réussi à donner. Ok, on s'en va où, là? Module Access 1. Non, ça c'est le... Le centre de pilotage est là. Okay. Command Access. Ah, tu veux être mon copilote pour que tu me vois-tu, chez vous? Non. Attends un peu, j'essaie de le chercher. Ouais, c'est bon. Ouais, voilà. Il est mélangeant, ce vaisseau-là. Hein. Ouais, c'est parce qu'il est énorme aussi. Ouais. Tu me diras quand tu seras prête, là. Je suis prêt. You are clear to launch. Yo, à clé, toi, là, tu vois, il est beau, ce vaisseau-là, je trouve, moi. Mais je te le dis, je suis sûr qu'éventuellement, ton côté, la nacelle, va se détacher, puis... Parce que c'est un vaisseau à part entière. Hein. Ouais. Eh merde. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai accroché mon trigger pour retirer sans faire bug. Attends, j'essaie de trouver une route là, vers la planète. Là. Ok, bon, attends. Vers la planète? Ben, le prochain lieu où on s'en va. Là. Peux-tu aller sur une autre planète? Et là. La map ne s'ouvre pas, effectivement. Là-bas. Tu vois-tu le... Quand tu mets l'hyperespace, tu vois-tu la trajectoire? Ma map s'ouvre complètement pas. Oui, la mienne. Je t'ai mis une trajectoire normalement. Et c'est excellent parce que c'est complètement buggé. C'est parce que je vois aucun repère. C'est buggé pour moi. Je tiens à le préciser. C'est buggé en crise. Ben, pour moi, ça l'est jamais. Je comprends pas pourquoi ça l'est. En tout cas. De ma connexion. Non, non, sérieux, ça marche pas là. Parce que je suis pas capable de voir quand je fais de l'hyperespace.
Non, j'arrive pas à setter la route. Là, ça doit juste être toi qui dois pouvoir la faire. Tu y arrives-tu plus, là? Bon.